Réunis pour la première fois, des élèves de CM1 et de CM2 de Coulaines répètent. Les bambins participent au nouveau spectacle-concert de Raffi Raphaël. Son idée, former un chœur de 150 à 200 enfants dans les villes des représentations et allier ensuite une chorégraphie. À l'origine, auteur belge de chansons naïves, Raffi Raphaël veut ainsi aller plus loin et tisser des liens avec le jeune public. Ensemble, donner le meilleur de soi et d'essayer de créer quelque chose de la beauté, de l'émotion. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît énormément, de leur déposer, de faire un travail avec eux, de déposer une graine qui portera des fruits dans 15, 30, 50, 100 ans, dans les enfants de leurs enfants. 7 classes sont associées au projet. Depuis la rentrée, chacune d'elles travaille séparément le répertoire. En janvier, ils sont passés à la vitesse supérieure. La chef de chœur prend les choses en main une heure par semaine. Tous les milliardaires, tous les lagardaires, sans règle, sans colère. Moi, j'étais appelée pour vraiment, comment dire, peaufiner, vraiment mettre en place, travailler dans le détail certaines phrases, soit partie musicale, rythmique, enfin, ça dépendait un petit peu des difficultés. Côté enfant, l'expérience est plutôt un succès. Les chansons, elles sont bien. En plus, on est plusieurs à chanter. On a des gens qui nous aident à travailler les chansons et ça, comme Marivonne. Raffi, en plus, comme c'est lui qui a écrit les chansons et il nous aide en même temps. Alors moi, j'aime bien. En plus, il est gentil et tout. Le précédent spectacle, le concert de Raffi Raphaël, a circulé pendant 9 ans entre la France et la Belgique, à raison d'une cinquantaine de représentations. Celui-là est déjà en préparation à Mons, en Belgique, et ne demande qu'à voyager.